FA. Ok. Bon, je vais rester en français comme tout le monde. Très peu, il y a même pas une dizaine de slides. Mais on peut en discuter après si vous voulez. Bon. Mon rôle, là, c'est plutôt de jouer l'avocat du diable. C'est-à-dire que le sujet, c'est NetBeans, Super NetBeans. C'est aussi NetBeans Platform, Super Platform. Et moi, j'arrive en disant, malgré mes cheveux qui grisonnent fortement, je ne suis pas encore placé, je ne suis pas encore passé à la NetBeans Platform, parce que je n'ai jamais eu le temps. Voilà. Et la morale de l'histoire, c'est ne faites pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit truc. Attendez, comme ça. Voilà. Démo d'abord. Donc c'est du Java, c'est du Swing. Alors, en entrée, vous avez l'image d'une partition de musique. En général, on part de partitions imprimées comme il y en a sur le piano ou dans la pièce à côté. Vous la mettez sur un scanner, vous obtenez une image ou plusieurs images. Et puis, voilà, vous avez l'image ici. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. On demande de transcrire tout ça. Alors, il se jette là-dessus. Il commence par trouver des lignes, il reconnaît des clés de sol, des armatures, il trouve des machins, des bidules. Je passe là-dessus, je pourrais en parler pendant des heures de ça, mais je ne vais pas le faire. Je vous montre simplement le résultat du travail qui est là. Je peux l'exporter. Voilà, bon, très bien. Je l'exporte dans un format qui s'appelle MusicXML, qui est le format le plus standard qui soit en matière d'échange entre logiciels qui gèrent de la musique comme Final, MuseScore, Sibelius, que sais-je. Il y a environ 200 applications de par le monde autour de ce format pivot qui est MusicXML. Donc là, je vais simplement demander, depuis mon programme, je prends MuseScore, c'est ce que j'avais tout à l'heure, voilà, ça donne ça. Alors vous reconnaissez sans doute ce qu'il y avait. Bon, MuseScore prend une mise en page différente de l'image initiale, mais c'est sans problème. Croyez-moi, il ne s'est pas bourré, j'ai vérifié pour la démo, c'est bon. Ce que je voulais vous montrer, voilà. En fait, le but de ma présentation, c'est de vous montrer ce que c'est que de l'OMR, c'est ça de l'OMR, Optical Music Recognition. Vous avez entendu très certainement parler d'OCR, Optical Character Recognition, que tout le monde connaît, qui est utilisé à très grande échelle par Google en particulier, pour, à travers le. C'est quoi? C'est Google Books, je crois, qui cherche à numériser au sens large tous les documents textuels de la planète, numériser dans le sens de. J'obtiens une copie informatique du papier et je suis capable de reconnaître le texte. C'est ça. Numérisé dans ce sens-là, pas uniquement dans le sens de prendre la photo. D'accord, bon. J'avais contacté Google il y a quelques années, quand j'étais encore chez Sun. Ils m'ont aiguillé vers quelqu'un qui s'occupait d'OCR chez eux. Ça n'a rien fait de plus. Je ne sais pas si un jour Google va s'intéresser à cette partie-là. Toujours est-il que en France, on essaye actuellement de monter un projet des bibliothèques musical, numérique, qui s'appellerait ScoreLib, et c'est la BNF, bien sûr, qui est intéressée en premier chef, la Bibliothèque Nationale de France, aidée du CNRS, du CNOB, et de ma petite société, Audiveris.
Et le but, c'est de mettre à disposition de tout le monde le contenu des partitions de musique qui actuellement dorment sous forme de papier ou de carton dans les sous-sols de l'ABN. Voilà. Et de rendre ça disponible sur Internet de manière à ce que les gens puissent entendre la musique, pas uniquement la voir, parce que là on ne fait que la voir, on n'entend pas, d'accord, hein, peuvent l'entendre, peuvent la transposer, peuvent faire de la recherche par le contenu, tout ce qu'on peut faire avec des textes ossérisés, on le fait avec de la musique homérisée, si j'ose le néologisme. Bon, donc voilà, OMR c'est ça. Je voulais vous montrer aussi pour donner suite à la demande des Gertian qui me demandait de parler de la plateforme NetBeans. Je lui ai dit, mais le problème c'est que je ne l'utilise pas, moi, la plateforme NetBeans. J'ai un moment fortement considéré de le faire, de migrer. J'ai potassé la question, j'ai acheté un bouquin, je l'ai lu. J'ai même fait faire, j'ai profité d'un tutoriel que Gertian avait fait chez Sun pour des clients, pour bien approfondir la question, et j'ai jamais eu le temps de passer à NetBeans, NetBeans plateforme. Mais, pour aller un peu rapidement dans ma présentation, si aujourd'hui j'étais au même point qu'il y a 10 ans, 15 ans, j'ai commencé il y a 15 ans, qui a fait du visuel basique, là, c'était... Voilà. Moi j'ai commencé, c'est la toute première version en 98, c'était en ADA. C'est très bien. Ne rigolez pas, c'est super bien. Une fois que vous avez fait de la DA, vous dites, mais pour faire du C, enfin, ça va pas, quoi. Quand j'avais sorti, tiens, c'est pas si mal. Okay. Donc, tout ceci explique que ça a été bâti petit à petit, pour différentes raisons, j'aurai pas le temps d'en parler. Bien. Alors, donc ça, c'est le résultat. Et ce que vous voyez ici, c'est une interface machine, bon... pas fantastique, mais à la limite, c'est pas très grave. Cette interface était pensée pour le développeur de l'OMR, c'est-à-dire moi. C'est-à-dire, je voulais comprendre pourquoi l'OMR sur tel cas ne marchait pas, qu'est-ce qu'il avait compris, pourquoi il ne retrouvait pas ses petits, pourquoi est-ce qu'il avait pris une clé de sol pour une clé de fin qui était coupée en deux, enfin bref. Donc, je cherche surtout à comprendre comment mon logiciel marche, ou plus exactement, comment il ne marche pas. Donc, vous pouvez regarder des trucs, bon ça c'est le résultat, bon ça fait binary, bon ça c'est le truc initial, data c'est ce qu'il a compris, no staff c'est une fois qu'on a réussi à enlever les lignes de portée, mais à la limite c'est pas très grave, puisque comme on sait où elles sont les lignes, hop, on cale tout par rapport aux lignes. Donc même si l'image est fortement déformée, si elle est tordue, si... Bon, c'est pas la peine de chercher à la remettre droite, à la détendre, faire ce qu'on appelle du dewarping. On peut le faire, mais ça sert à rien. En fait, il vaut mieux travailler avec ça comme référence, les lignes de portée, les bar lines comme référence verticale, et avec ça, vous savez où vous êtes, vis-à-vis de la portée. D'accord ? Donc, quand on dit là-dedans que c'est verticalement aligné, c'est bien entendu modulo l'inclinaison, pardon, qui a été détectée et la déformation. Alors, ça c'est la technique. Ce que je vous présente ici, excusez-moi, c'est une version qui n'est pas encore publique, qui devrait être rendue publique d'ici quelques mois. Et j'ai refondu beaucoup de techniques à l'intérieur, en particulier pour détecter les beams, alors je ne sais pas comment on appelle ça en français. Là, ce qui est en bleu, là. Comment ça s'appelle, beams ? Croche et double croche. Non, ça, non, non. La croche, c'est l'ensemble entre la note head, stem et flag. D'accord ? Les beams, juste le beam, juste cette petite partie-là. Comment ça s'appelle ça, en français ? Beaucoup de musiciens. Ouais, là, moi je pensais être aidé. Les cours de musique, on est juste à côté. Hein. La queue de notes. Non, non, non. Tu l'as ici, là. Et ça. Bah, là-bas. C'est le reason why we should speak English. Anyway. Alors, je voulais vous montrer ça. Oui, donc, pour retrouver ces beams, qui peuvent être n'importe où, si vous voulez. Le beam. À la différence des têtes de notes, quand une forme bien spécifique,
hein, c'est une ellipse légèrement inclinée. Et puis maintenant que l'on sait quelle est l'interligne typique, on sait quelle va être la taille de ces trucs-là. Donc on va les chercher à certains endroits. On va les chercher pile sur la ligne, ou pile entre deux lignes, ou au-dessus des ledgers. Je ne sais pas comment ça s'appelle, pareil. Donc les têtes de notes, on les trouve comme ça. Mais les beams, elles peuvent être n'importe où. Elles peuvent être inclinées n'importe comment. Donc la seule manière de réellement les trouver, c'est de chercher. C'est de chercher où il y a une concentration de pixels noirs. Et cette concentration de pixels noirs, on l'a fait, on la trouve avec un traitement, ce qu'on appelle la morphologie, le traitement de l'image, et on trouve des points comme ça. Une fois, avec un threshold dessus, on arrive à trouver des choses comme ça. D'accord ? Et après, ben, ça devient beaucoup plus facile de dire, bon, j'ai trouvé une zone ici qui a l'air vachement intéressante, regardons ce que j'ai autour. D'accord ? Et après, donc, il trouve des petites choses comme ça. Donc, je pourrais en parler des heures, donc j'arrête là-dessus, mais pour vous dire qu'on construit la chose petit à petit de manière incrémentale en se basant sur ce qu'on a réussi à faire, une sorte de pipeline, si vous voulez, d'une une douzaine d'étapes comme ça, ces exercices, et on s'appuie, et on ne trouve pas tout au même moment. Plus exactement, on peut trouver. On peut trouver diverses interprétations pour une même zone. Là, je vous ai montré un truc facile, mais souvent, même l'œil humain se demande, mais c'est quoi ce qui est là ? Et puis, pour un même paquet de pixels, on peut avoir diverses interprétations possibles. D'accord ? Donc, une des choses qui sont vraiment très intéressantes dans les nouvelles versions, c'est que, autant la version d'avant, j'y allais franco du style, bah, c'est une tête de note, etc. Autant là, je dis, on dirait qu'il y a une tête de note, oui, d'accord, mais on dirait qu'il y a peut-être aussi ça, et puis il y a peut-être aussi ça, et puis il y a peut-être aussi ça, avec à chaque fois une mesure de qualité. Et si vous avez... Je vais grossir un petit peu ça. Voilà. Bon. Si vous avez quelque chose qui ressemble à une tête de note, peut-être, qui est connecté et qui est bien connecté à quelque chose qui ressemble à un stem, qui lui-même est bien connecté à un truc qui ressemble à un beam, je suis désolé pour le franglais, hein. Chacun de ces trucs-là, en utilisant de la notion de probabilité conditionnelle, ou de, j'appelle ça contextual grade dans le logiciel, c'est ça, ils s'aident mutuellement. Pour faire très court, si j'ai un niveau moyen là-dessus, moyen là-dessus, moyen là-dessus, globalement, j'ai un niveau nettement mieux que moyen. D'accord ? Alors que si je trouve quelque part quelque chose qui est vraiment parfaitement une tête de note, bien avec une qualité fantastique, mais que cette tête de noir n'a pas le stem qui va à côté, ou que la connexion entre les deux est de mauvaise qualité, sa note au sens global va descendre par rapport à ça. Ça va ? Vous avez compris comment ça marche ? Bon. Le template, oui, bon, ça, c'est pas... Non, j'ai pas le temps de parler de ça. Bon. Est-ce que je voulais vous montrer d'autres choses ? Donc ici, vous avez des petites choses qui permettent de voir ce qu'on est en train de faire. Le glyph, vous voyez, là, il avait essayé différents trucs. Il avait essayé small head, large head, et puis void, une blanche. Et d'ailleurs, vous pouvez voir le grade 0,86, alors que lui... Attendez, il faut que je le fasse autrement. Bon, j'ai pas le temps, c'est pas grave. Alors, ce que je voulais vous montrer... Où est-ce qu'il est ? Oui, OCR versus OMR, bon, c'est un peu... La réalité, c'est ça, c'est-à-dire autant l'OCR, c'est industriel, autant l'OMR, ça reste quelque chose d'assez artisanal aujourd'hui. Pour faire court, il n'y a que une demi-douzaine de produits qui font de l'OMR dans le monde. Il n'y en a qu'un qui soit open source, je vous laisse deviner lequel. Et c'est pas parce qu'ils sont commerciaux qu'ils sont de meilleure qualité. Bon, on s'en fout de ça.
ça c'est important. Donc, grosso modo, Audiveris est ici, OMR, c'est-à-dire qu'en entrée, on a des images de partition. En sortie, on a ce fameux format pivot de musique XML, sur lequel on peut brancher différents trucs, comme des lecteurs, hein, dit View Play. Play, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec MuseScore. Avec MuseScore, pardon. On peut faire de l'édition. Et PitchNote, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel fait par Vladimir Viro qui permet de faire de la recherche de thèmes musicaux. Par exemple, l'air de l'hymne à la joie, il se trouve bien entendu dans l'hymne à la joie, on est d'accord, mais est-ce qu'il ne se trouverait pas ailleurs? Et la réponse, c'est oui. C'est des motifs. Oui, c'est ça, exactement. L'équivalent des n-grams de Google, il utilise ça dans PitchNote. On donne une séquence de, je ne sais pas, 5-6 notes peut-être, et il est capable de retrouver ce thème, et on voit à quelle année. Ça, c'est simplement pour donner un exemple d'application qui fait de la recherche par le contenu de la musique. D'accord ? Bon. Oui, ça suffit. Alors, deux choses. Audiveris V4, c'est celle que vous trouverez sur le site web. Faites un coup de Google sur Audiveris et vous tomberez dessus. Bon. Alors, il est sur Kenai aussi, et je partage les mêmes interrogations que l'orateur précédent sur Kenai. En plus, avant, j'étais sur java.net. Je ne sais pas quel est le futur de Kenai ou de java.net. Kenai, ça fait 5 ans qu'ils disent qu'ils vont fermer dans 6 mois. Alors, peut-être que cette fois-ci, ce sera vrai, mais je ne sais pas. Donc, GitHub, GitHub. Bon. Ça tourne sous Windows et sous Linux. Vous allez me dire, c'est pas compliqué en Java. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on a même tourné un moment sur Mac. Le problème, c'est qu'on utilise pour la partie textuelle, vous avez vu, il y a des titres, il y a des lyrics, etc. Il y a du texte. Bon, je n'allais pas redévelopper un OCR à moi tout seul, avec mes petites mains. Donc j'utilise l'OCR de Google qui s'appelle Tesseract, qui date des années 95, je crois que ça veut dire, qui malheureusement est un super langage, c'est C++. Qui est bien verrouillé au hard, bien binaire et tout. Et donc, je fais un accès en GNI vers ce truc-là. Mais c'est un boulet pour moi. Moi, Java, je flotte dans l'air. Le C++, il est là. Et quand c'est du 32 bits, il dit c'est du 32 bits, c'est pas du 64. D'accord ? Et alors, le problème, c'est que vous pouvez. Alors, vous avez l'OS. Vous avez votre machine qui est 32 ou 64 bits. Vous avez votre JVM qui est 32 ou 64 bits. Vous avez les DLL ou les points SO que vous téléchargez depuis GNMP. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. C'est-à-dire que j'en ai eu marre de faire différentes versions d'installation. J'ai fait un seul bouton sur le site web, Launch, et derrière, c'est le Java Network Launch Protocol qui s'occupe de tout. Ça, c'est ce que dit la brochure marketing. En la réalité, c'est pas si simple que ça. Il faut que le JavaScript soit autorisé, il faut que le JNLP soit autorisé. Et tant Microsoft qu'Oracle sont en train de verrouiller de plus en plus les histoires de sécurité à cet endroit-là. Donc, j'ai tout un tas de messages sur le forum qui me disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais ça, l'installation ne marche pas, etc. » Donc, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Ils ont pas écouté. Vous vous débrouillez avec la version, c'est open source, aidez-vous entre eux. Moi, je passe à la V5, il faut que je fasse complètement, que je refasse mon truc, j'en parlerai tout à l'heure. Je laisse un peu les gens se dépatouiller entre eux. Bon, il y en a qui ne sont pas mauvais. Mais tout le problème, il est là. C'est-à-dire que le fait qu'on utilise du JNI avec donc du binaire, ça vous impose de signer les jars qui sont accessibles via le JNLP. Problème, on fait de l'autosignature. Ben oui, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils sont pas idiots, les OS, ils disent, mais ça, c'est de l'auto-certifié. Donc il faudrait que je paye, moi, on appelle ça des fines, l'autorité de certification. Voilà, enfin, un machin qu'on paye, de toute manière.
Et moi, ça m'intéresse. Bon. Donc toujours est-il que la réalité, c'est que sans arrêt, on a des petits problèmes. Et ça devient pénible. Donc chez NLP, c'est normal. Quand ça marche, c'est vraiment super. On le fait marcher donc sous Windows et sous Linux, c'est bien. 32/64, ça marche, c'est bien. Bon. Et puis donc mi-2013, je suis enfin passé à ce que je voulais faire, c'est-à-dire mettre les choses un peu mieux. Donc oui, ça a l'air de passer de V4 à V5, on fait juste plus 1 dans le numéro, non, en fait. Il y a peut-être plus de 80% des 200 000 lignes de code qui ont été réécrites. L'ensemble est reconçu autour de ce que j'appelle le sigle, c'est-à-dire le graphe des interprétations de symboles, ce dont je vous parlais tout à l'heure avec la note, le stem, etc. Tout est construit autour de ça. Et finalement, à la fin, ce que fait l'outil, là, c'est uniquement, il trouve le meilleur globalement de tout ça. Je vous la fais très courte, mais c'est bien. L'autre chose sur laquelle je suis en train de travailler aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai ressorti une version qui date d'au moins un mois, là, pour que ça marche, pour pouvoir faire la démo, c'est que j'ai un besoin de persistance. Dans la version V4, c'est simple, tout est en mémoire. Ce qui n'est pas terrible, c'est-à-dire que si le type a commencé à faire des modifs, et puis pour une raison ou une autre, ça se plante, ou il y a une coupure du courant, etc. Ou si il a 10 ou 20 pages, il y en a un qui m'a envoyé un truc de 50 pages, il disait, mais c'est curieux, ça n'a pas l'air d'avancer. Il dit, oui, 50 pages en mémoire, je ne sais pas combien de centaines de mégas par page. Donc ça ne tenait pas la route. Donc l'idée, c'est ça. Et donc, c'est l'aspect persistant, c'est très simple, c'est tout mon cycle, qui n'est jamais qu'un graphe, finalement, avec des relations entre les sommets du graphe, mais tout ceci... Non, mais une base de graphique, ça va être mon Java. J'ai pris une GraphT, en fait. Mais bon, pour l'aspect graphe. La persistance, j'ai pris JackBee. Bon, donc ça, premier point, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis recentré sur le moteur de reconnaissance. En disant, tous les trucs autour, c'est-à-dire être capable de jouer le truc, et de synchroniser l'affichage en même temps que la musique, qu'il y avait dans la version 3, bref, j'ai viré tout ça. Je me concentre purement dans l'aspect sortir d'une musique XML le plus propre possible, et après, sur cette musique XML un peu brute de fonderie, on rebranche un éditeur dont c'est le rôle de permettre à un utilisateur lambda, qui n'est pas du tout développeur, de jouer un rôle de validateur, correcteur, voilà. Enfin, les deux. Valideur, il dit c'est bon, correcteur, il dit c'est pas bon, voici que dans la tête la version. D'accord ? Donc, je voudrais pour ça une interface, une machine très orientée, end user et non pas développeur user, comme j'ai ici. Je voudrais que ça tourne dans un web browser pour en finir avec tous mes problèmes d'installation. Je dirais essentiellement c'est ça. Et puis que quelqu'un puisse, via le web, se connecter au site ou à n'importe quelle librairie et faire directement l'aspect validation, correction en ligne sans qu'il ait besoin, comme il a besoin de faire aujourd'hui, d'installer ce logiciel sur le web. D'où problème de JavaScript, dont je n'ai pas commencé ça. Et je ne vais peut-être pas le faire moi-même, c'est-à-dire que je vais faire appel à des bonnes volontés. Il y en a plusieurs sur la planète. Bon. Possibilité de se connecter avec un moteur d'OMR, soit local, soit remote, bien entendu. Et le but, c'est ça, faire du collaboratif OMR. Donc, j'ai fait juste une page comme ça, pour que ça puisse vous être affiché. Vous reconnaissez ici la transcription OMR qui va d'une image vers un sigle brut. Et en fait, l'interface machine dont je parle, qui est très orientée, donc validation, correction, fait des modifs, termine, etc. Bon. Sachez bien que ce type d'interface machine n'est pas aujourd'hui adressé par des outils comme MuseScore, Final, Sibelius et autres, qui eux sont plutôt des outils de création musicale. C'est-à-dire que vous commencez à rentrer des notes et le système vous met en place différentes choses, vous tapez quelque chose et vous réaligne. Ils font ce que moi j'appelle de la surréaction par rapport à ce que vous entrez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'utilisateur dise
ceci n'est pas bon, et voilà ce que ça devrait être. Et moi, je prends en compte, ça me dit, je ne cherche pas à faire de l'inférence par rapport à les conséquences avant, les conséquences après, etc. Ce qui est très important, c'est qu'on ait l'image initiale, les pixels, on a l'image résultante telle que l'OMR l'a compris, on les met l'une sur l'autre, l'une à côté de l'autre, comme vous voulez, mais on se contente de dire ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et surtout, on ne surréagit pas, ce que ne fait aucun des logiciels actuels. D'où l'importance de faire ce que j'appelle ce logiciel orienté validation de l'OMR. Donc voilà, c'est le but de ce panel vert ici. Et l'idée, c'est que si l'OMR, avec son sigle en interne, c'est-à-dire avec les différentes tentatives qu'il a faites, avec ce qu'il y a derrière chacun des symboles qu'il a reconnus, je l'ai à disposition, ça me permet deux choses. Ça me permet de rapprocher la modif ou la validation que le client a faite sur un élément de ce que moi j'avais en tant que glyph, paquet de pixels à cet endroit-là. D'accord ? Et donc, ça me permet d'alimenter des samples pour faire du training du classifieur de mon logiciel. Et ça, à l'échelle de la planète. Alors qu'actuellement, c'est fait, c'est moi qui le fais, par exemple, sur 20 partitions, 30 partitions, quelqu'un d'autre, etc. Là, le but ici, c'est d'avoir des choses beaucoup plus pertinentes au niveau mondial, en termes de fausses positives, négatives, puis pareil pour les vrais, et puis également de fréquences d'occurrence. Parce que je ne sais pas si je vais me rappeler. Je sais plus si c'est avant ou après. Oui, ben je vais en parler tout à l'heure. Donc l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que si j'ai ça qui travaille sur un qui est accessible via le web, je suis capable de capitaliser sur les validations que les personnes font, et ça me permet d'avoir dans une base d'échantillons bien représentatives, et donc le système s'auto-améliore sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. Si jamais la correction que le client a faite ne se résume pas à un petit truc relativement simple, mais qui est un truc un peu plus compliqué, dans ce cas-là, c'est pas grave, je me contente d'enregistrer, je demanderai simplement à l'utilisateur de faire une sorte de taxonomie, du style, bon, c'est une erreur de tel type, de tel type, de tel type, de tel type, et donc, je mets ça de côté, et un jour, un développeur, moi ou un autre, qui va s'intéresser à résoudre ce problème-là, on a tout de suite tout un ensemble de problèmes bien concrets qui se rapportent typiquement à cette erreur. D'accord ? Donc le collaboratif OMR, c'est ça qu'on a dans la tête. Bon, j'ai fini à peu près ce que je voulais dire là-dessus. Alors je termine, je reviens à l'aspect purement informatique des choses. Il y a plus que ça, mais c'est pas grave. Là, c'est une liste de bibliothèques Java qui sont utilisées par ce logiciel-là et qui me permettent donc de faire ça. Donc JL, c'est l'aspect... je l'utilise essentiellement pour de la lecture de fichiers images dans un format un petit peu un peu folklorique. Sinon, Image.io en général, ça marche. Mais pas toujours. Quand les gens me donnent du PDF, il faut que je commence par faire un rendering du PDF pour obtenir les pixels. Donc JPod, c'est ce que j'utilise. Bon, pour faire une sortie du texte. Okay. Image.io, c'est tout l'aspect image processing. Donc, 5 minutes, yes. Pas 5. Donc, imager, c'est oui, alors c'est la dilatation, c'est le closing, opening, closing, c'est tous les traitements qu'on peut faire sur une image. Donc, vous avez une bonne bibliothèque d'imager. Ça, c'est le fameux graphe dont on parlait tout à l'heure. C'est tout bête, mais c'est vraiment agréable de voir ça. Jeffrey Chart, c'est pour les différentes des histoires d'arbres, des choses comme ça. Algèbre linéaire. Un classificateur bayésien, et puis le classificateur réseau de neurones, bon, j'en ai fait une implémentation à moi depuis longtemps, mais ça marche. Bon, maintenant passons à l'aspect non applicatif, ce que je pourrais appeler les mois que j'ai passés à faire quelque chose que j'aurais pas dû faire, et qui m'ont éloigné de ce que moi je voulais faire au niveau applicatif. Alors il y en a très certainement plus que ça, je suis d'accord, mais...
c'est les premiers qui me sont venus à l'esprit. Alors BSAF, c'est le Swing Application Framework. Grosso modo, c'est la plateforme des bins du pauvre. Ça fait juste le cycle de vie de votre application Java. Swing. C'est-à-dire que où se positionne une fenêtre. Vous l'avez ouverte à tel endroit, quand vous sortez de l'application, c'est mémorisé. Quand vous allez la réouvrir, elle se met au même endroit. Ça gère les notions d'action, ça gère les notions d'injection de ressources, de dépendance, plein de trucs. C'est pas mal. C'était dans NetBeans suite un temps, je pense que ça l'est encore, mais c'est un peu historique, je ne pense pas que ce soit encore développé. Jax B, très bien, c'est tout l'aspect mapping entre des objets Java en mémoire et leur représentation en XML sur un disque ou dans un stream, etc. Super bien. JGoodies, bah oui, j'ai pas Mathis, donc j'utilise JGoodies, c'est un truc qui vous permet de faire la mise en forme de vos fenêtres Swing, et puis le look and feel également. Ivanbus, c'est en fait un bus de données que j'ai utilisé uniquement pour les sélections utilisateurs, c'est-à-dire que l'endroit en XY où se trouve à ce moment-là le curseur de l'utilisateur, s'il y a différentes applications dans le logiciel qui s'y intéressent, hop, elles reçoivent toute cette information et elles se mettent à jour. Vous avez vu les fenêtres de propriété dont le contenu changeait quand je bougeais mon curseur. Il n'y a pas de connexion directe entre les deux, heureusement. Au début, c'était comme ça. Croyez-moi, on arrête vite. En fait, ils ne se connaissent pas. Il y a un logiciel, un bout du code qui est responsable de récupérer le XY et de le poster sur le bus. Et sur le bus sont branchés tous les gens intéressés par l'information XY, ou l'information truc mouche, ou l'information machin bidon. Ivan Boss, bon, c'est très bien. Ça, c'est des paramètres de ligne de commande. Je me doute bien que dans NetBeans, il y a ça. Alors, c'est Arx4j, c'est Kusuke Kawaguchi, un ancien de ça, mais maintenant, il fait ça. Le login, on s'en fout. Je n'ai pas le temps de parler. Ce que je n'aime pas du tout, c'est que je n'ai pas trouvé de méthode simple pour définir le contenu des pull down menus. Des toolbars, donc j'ai un fichier XML dans lequel il y a grosso modo le nom du fichier ou le nom de l'action, nom de la classe, nom de la méthode, est-ce que je mets un bouton, etc. Je me disais c'est pas possible, il va y avoir moyen de trouver ça quelque part, mais j'ai pas trouvé. Et puis ça, c'est ce que j'appelle les constantes logiques, c'est peut-être des propriétés, c'est-à-dire que dans le code, il n'y a pas de constante. Jamais, en dur. Les constantes sont une certaine forme qui permet donc, un, de les stocker sur disque, deux, de permettre donc à l'utilisateur de les modifier, et puis bien entendu, de faire persister les modifications. Par exemple, je ne sais pas, une marge, vous pouvez dire que ça peut être petit, il faudrait l'agrandir, il est hors de question que l'utilisateur final ouvre le code pour aller modifier cette constante. D'accord ? Ça, c'est ce que j'appelle des constantes appliquées. Elles ne sont pas constantes réellement dites, proprement dit, puisqu'on arrive à les modifier. Mais il doit y avoir quelque chose dans NetBeans Platform qui gère ça. Voilà, je pense que c'est tout. C'est tout. Ça va, je suis dans les 5 minutes.